Salut les amis, aujourd'hui je vous présente un gameplay sur la map Village. Mais ce n'est pas un gameplay un peu comme tous les autres, c'est-à-dire pas les modes que je joue normalement, comme Domination, Match à mort par équipe, etc. Mais c'est un nouveau mode, on va dire un nouveau mode. Ce nouveau mode existe depuis du 2 novembre 2012 et il s'appelle Money in the Bank. Vous le trouvez ce mode normal où il y a aussi tous les autres modes. Vous pouvez le jouer. C'est un mode assez intéressant, je trouve, car c'est en fait un mode qui est comme le mode sabotage. Vous avez deux cibles et une bombe. C'est-à-dire il y a une personne qui doit prendre la bombe et la placer à la cible de l'autre équipe, de l'équipe adversaire. Mais alors, la seule différence que vous voyez, je sais pas, mais je crois, maintenant vous l'avez vu, je crois. Quand vous avez la bombe, vous devenez un mastodonte. C'est-à-dire tout le monde qui a la bombe est un mastodonte. C'est ça qui est autrement que dans le mode normal de sabotage, que quand vous prenez la bombe, vous êtes un mastodonte. Je trouve que c'est vraiment assez sympa l'idée. Le seul truc qu'il faut vraiment faire attention est que vous avez la je sais plus parler, la Desert Eagle. C'est la seule arme que vous avez naturellement Pia, mais il faut faire attention que vous faites pas tuer, parce que c'est vraiment pas facile si vous êtes si vous êtes quelque part où ils sont tous à 10 000 mètres. Alors c'est vraiment pas facile, faut vraiment dire. Excusez-moi pour les petits lags des fois dans la vidéo, mais bon. Il faut vraiment faire attention avec cette Desert Eagle, car elle est vraiment pas trop puissante à longue distance. Si on peut l'utiliser, mais moi je suis pas celui-là qui joue tout le temps avec la Desert Eagle. Mais même moi, un joueur qui ne joue pas souvent avec des armes de poing, et que même assez, j'ai quand même assez bien survécu. Le ton avec le mastodonte. Alors, un autre truc très très important et bon, très très important, pas vraiment très très important, mais vous avez des classes qui sont faites Dame W3. Mais dans ces classes, après je parle encore des classes, après je reviens sur les classes, mais vous avez dans toutes les classes il y a la killstreak. La question avec la série d'animation de spécialistes, je crois dans la classe avec la M4-1, est-elle Pillard, Bonne Gâchette, Tracker? Ouais, Pillard, Bonne Gâchette, Tracker. Et même si vous êtes un mastodonte, vous gardez cette killstreak. Ça veut dire, comme vous voyez justement dans le gameplay, j'ai eu tous les atouts. J'ai eu le truc spécialiste de 8 éliminations. Maintenant j'ai tous les atouts. Ça veut dire. C'est pas comme dans les autres mastodontes, vous savez, les mastodontes d'assaut, les mastodontes de soutien. Mais c'est vraiment un mastodonte avec celui que vous pouvez continuer votre killstreak. Mais il faut faire vraiment attention, il n'y a pas de killstreak où vous pouvez avoir un Pavlo ou je sais pas, un Osprey, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez avoir avec la killstreak spécialiste, excusez-moi, une MWAP. Moi j'en ai pas eu. Et je vous dis tout de suite, je crois aussi bientôt, c'est bientôt je vais crever, je sais plus exactement. Vous allez voir que c'est que je me suis fait prendre par je sais pas qui. Bon, il m'a pris, je sais pas comment. Mais vous allez voir que j'ai pas arrivé d'avoir la map. Mais c'est vraiment en fait pas trop trop difficile d'avoir la map. Moi j'avais pas cru qu'on pouvait avoir la map. Mais ça fait, je crois, 2-3 parties. Après, j'ai remarqué qu'il y a quelqu'un qui a eu, je crois, 60 éliminations sans mourir, sans se faire prendre. Et il a eu la MWAP, hein. Il a eu la MWAP tout normal. Alors là, je me fais prendre. Il a eu la MWAP tout normal. Il a tout tué. Il avait la IM, la vraie MWAP. Même si je trouve ça assez super, en fait. Je trouve ça super, en fait. Enfin, maman, ils font toujours, quand vous avez le mastodonte d'assaut ou de le mastodonte de soutien, vous allez voir, bon, après je crois tout le monde vous le sait, mais vous n'avez plus votre killstreak est parti, votre série d'animation est partie,
C'est-à-dire, vous faites des émiations, il compte dans votre score, il compte avec l'arme, mais il n'y a plus de killstrike, même pas la vôtre, mais pas leur killstrike, mais carrément, il n'y en a plus. Une autre chose qui est vraiment important de savoir quand vous jouez à ce mode est que si vous jouez à ce mode, c'est pas comme. Si, je crois que c'est comme dans le mode sabotage normal, je sais plus exactement. Quand vous avez la bombe, dure. Je crois que vous avez besoin. Oh, j'ai fait un fail. Je crois que vous avez besoin 40 secondes de la faire exploser. Et par exemple, si vous posez la bombe, et à 30 secondes, il y a quelqu'un qui la vient désamorcer. Alors, si vous la reposez la bombe, elle continue à 30 secondes. C'est-à-dire, c'est vraiment en fait pas mal parce que c'est un peu difficile de survivre 30 secondes, 40 secondes avec une bombe de faire action parce que surtout sur une map comme Village, c'est à faire, hein, mais pas quand on joue tout seul, je trouve. Bon, qu'est-ce qu'il faut aussi donc, savoir? Le mastodonte. Quand vous êtes un mastodonte, vous avez la bombe, ça c'est normal. Tous les mastodontes, il y a une bombe et un mastodonte sur la map. Et quand vous êtes ce mastodonte, vous posez la bombe. Bon, vous ne devez pas la poser, vous faites comme vous voulez. Mais après de l'avoir posée, vous êtes plus un mastodonte. Ça, il faut vraiment le savoir. Moi, je savais pas comment ça se passerait. Bah, je me suis dit, là, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là, justement, excusez-moi. Mais je sais pas comment. Qu'est-ce que j'étais en train de parler? Ah oui, si vous posez la bombe, alors vous êtes, il n'existe plus de mastodonte. Car ouais, bon, j'ai justement vu quelque chose dans le gameplay que ça dure plus que 50 secondes, 40 secondes, mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir que si vous posez la bombe, vous n'êtes plus le mastodonte. Et oui, c'est là qui va désamorcer la bombe. Il est le mastodonte. C'est assez normal, c'est bien comme ça, je trouve. C'est bien fait. Mais il faut faire attention, surtout si on veut vraiment réussir la map. Après, il y a 20 kills, 20 émissions, vous allez poser la bombe. Et après, justement, après d'avoir posé la bombe, il y a quelqu'un qui vous prend avec le couteau. Là, vous êtes vraiment vachement fâché, je crois, mais bon. Ce n'est pas grave, mais c'est seulement pour vous prévenir. Je ne sais pas si ce mode va exister toujours. Je sais pas parce qu'il y avait déjà assez de modes qui sont venus et après ils sont disparus. Je sais pas dire non, mais je crois que tout le monde le sait, hein. 50 secondes, ça dure une bombe. J'ai justement vu. Alors, quelque chose d'autre d'important à ce mode et quelque chose assez important, je trouve. Les classes sont faites. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire notre propre classe. À la fin de la vidéo, j'ai filmé, j'ai fait une photo des 5 classes. Et je les mettrai après le gameplay. Alors vous pouvez voir un peu comment ils sont les classes. Si ça vous intéresse de jouer ou si ça vous intéresse pas du tout, alors vous n'avez pas besoin d'aller essayer, hein. Et pour ça, je vous ai mis les classes après la vidéo. C'est un mode qui est aussi vraiment, je trouve, bien à jouer tout seul, mais surtout quand vous êtes entre amis, je trouve. Car bon, dans ce gameplay, il y a un copain de moi, un ami de moi qui est avec, mais il est dans l'équipe adversaire. C'est aussi en fait vraiment sympa. C'est aussi vraiment sympa car vous avez, comment dire, c'est assez sympa car. Oh mais ça me fait chier, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit. C'est assez sympa. Alors quand il y a un mastodonte, alors l'autre il vient, il t'essaye à te tuer, c'est normal. Et c'est ça qui fait un peu le fun au jeu. Et c'est ça qui fait un peu que c'est un peu drôle. C'est un peu cool. C'est déjà cool, je trouve. Alors, mais aussi quand vous êtes à quelques copains dans une équipe, par exemple quand vous êtes à 4, c'est aussi vraiment sympa car. Alors vous dites à un, il prend la mastermonde, s'il y a qui le mastermonde, et les autres trois ils peuvent lui aider. Bah alors vous faites ça toujours à notre et tout le monde. Alors les trois qui ne sont pas des mastodontes, ils peuvent protéger le mastodonte et c'est bon. Alors le mastodonte peut faire facilement une map sans avoir beaucoup de problèmes. Ouais. La partie dure, je crois. Ouais.
crois pas, je sais, 10 minutes. Et c'est pas que maintenant, comme dans le mode démolition, qu'il y a quelques manches, mais il y a carrément qu'une manche. C'est à qui gagne, à gagner. C'est à qui a placé, posé la bombe, qui a gagné. Qui l'a fait exploser la bombe, qui l'a fait. Ouais, qui l'a cassé la bombe. La cible. Bon, putain, j'ai plus parlé. Et si c'est égalité, comme ça va terminer ici, alors il y a la prolongation. Dans la prolongation, il y a aussi une bombe au milieu de la partie. Au milieu de la partie, au milieu de la map. Et vous pouvez aller la chercher. Vous pouvez aller la chercher. Et vous êtes aussi un mastodonte. Mais le grand truc. Bon, le grand truc. Dans le grand truc est que vous êtes le truc spécial et que vous êtes pas que vous réapparaissez plus. Vous réapparaissiez plus. Vous êtes tout de suite mort. C'est un peu comme recherche. Ouais, c'est un peu comme la recherche. Vous avez joué à recherche ou mode recherche et destruction. Vous êtes mort. Ah, vous êtes mort. Vous êtes spectateur et vous avez tout le monde qu'une vie. Vous avez aussi que vous recevez aussi que 100 points par élimination, ou 50, non, 50 points ici, où j'ai tourné la vidéo, j'avais, je crois, double XP, c'était un week-end, je sais plus exactement. Et vous avez aussi, vous avez aussi les points normaux, mais il faut faire attention qu'on se laisse pas crever. Maintenant, justement, vous voyez que je suis en train de faire la prolongation, de jouer à la prolongation. J'ai fait vraiment un peu attention, même si je savais pas en fait qu'on réapparaissait plus. Alors en fait, je suis un peu allé dans la guerre. Ouais, là, j'ai tout de suite eu un avec la grenade. Avec la grenade, la fragmentation. Mais c'est vraiment important qu'on le sait, car pas qu'on fonce dedans et après on se fait tuer. Ça fait un peu chier. Ouais, après, un dernier temps, après un temps, j'ai remarqué que les autres ils sont purs à. Paru. Je me suis dit merde, non, tu dois faire un peu attention. Et je suis couru, j'avais un peu peur. Mais oui, ça c'est le nouveau mode. Je vous dis merci beaucoup que vous avez regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner si vous voulez. J'en ferai plus de vidéos maintenant, prochain temps que sinon. Le dernier kill avec des Eagles. Et oui, je vous dis merci beaucoup. Je termine avec un score de 31. Je termine la partie avec 31 éliminations et 8 morts. Maintenant, je vous montre encore vite les classes qui sont déjà faites. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao! Ein habe ich schon vor allem an. Reaktor, Alarm, Alarm, Alarm,